Qu'est-ce que c'est qu'une initiation au Reiki? C'est une question que vous me posez souvent et j'ai l'habitude de vous répondre que c'est un travail d'électricien. En effet, pendant les rituels d'initiation au Reiki, c'est-à-dire les 4 rituels pendant les formations, voilà ce qui se passe. En fait, lorsqu'on naît, on est tous avec des connexions qui nous relient à l'énergie vitale, à l'énergie Reiki. Ces connexions, au fur et à mesure qu'on grandit, pour des raisons multiples et nombreuses, elles vont se déconnecter. En tout cas, chez la plupart des personnes, puisque chez les personnes chez qui elles restent connectées, ces personnes vont pouvoir spontanément soigner, donner des soins énergétiques avec leurs mains ou même à distance. Lors des rituels d'initiation, que fait le maître enseignant de Reiki? Eh bien, tout simplement, il rétablit cette connexion, et non seulement il la rétablit, mais il la solidifie de telle sorte que tu sois initié à vie. Il fait ça pour le premier degré, pour le deuxième degré, pour le troisième degré, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu passes un degré, tu es de plus en plus connecté à l'énergie vitale, à l'énergie Reiki. Si tu veux plus d'infos sur les formations au Reiki que je propose, je t'invite à regarder juste en dessous. Et si tu as des questions, welcome, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée à toi.